Alors déjà, t'as énormément de chance puisque généralement, j'accepte pas les interviews. T'es tout mignon, tu vas bien t'intégrer, tu vas voir. Je te sens bien, toi. C'est vrai? Ouais, super. Moi c'est Saverio, j'aime énormément la musique électronique, j'ai toujours eu un côté très underground, très dark. D'ailleurs je me considère moi-même comme un dark disco boy. Je peux autant enchaîner du disco que de la trance, que de la techno et de la house, tout ça dans une même heure. Ce qui m'intéresse énormément, c'est me faire kiffer bien sûr, mais je fais aussi kiffer les gens avec ça. L'énergie que je donne et que je partage, elle m'est propre. C'est comme ça que je communique avec les gens et avec mon public. C'est pas dur ? C'est toi maintenant, il est en retard, Valentin il va arriver à 2h apparemment. C'est toi l'avenir, je mise tout sur toi, je mise tout sur toi. Et Louis d'ailleurs, toujours pas là, je suis sûr qu'il arrive en RERB. Si Upsilon devait avoir un monument, il aurait le RERB. Arrêtez de les mettre sur le line-up. Hein. Donc on fait que toi et moi ? Ouais, mec, on fait tranquille. Comme on fait d'habitude en fait. Sur les 6h, mec, c'est ce qu'on fait habituellement. Ouais. Et on a Paris à nos pieds, on a le monde à nos pieds. Ça, mon modèle. Victor, Flash. Victor, Flash. Victor, avant d'être une star de ta la musique. Pour moi. Hein ? Merci. Prends un dessert, les gars. Bon, une fois qu'il y en a un qui me tient en tête, c'est... Excuse-moi, mais il a fait Koh-Lanta deux fois. Mais t'as pas fait les poteaux ? Non. Ah la honte ! Il a pas fait les poteaux. Est-ce que vous connaissez Victor Flash et Saverio Didier ? Pas du tout. C'est nous. C'est nous. Eh ben, oui, on est content de vous connaître. On est brillants, hein. Ah oui, brillants. On est DJ. Ah, j'espère, vraiment. DJ Star. Mes premières inspirations, bien évidemment, moi, ça a été en octobre 2014. J'ai 19 ans, j'étais dans le public. Je me suis pris une claque monstrueuse. Laurent Garnier, qui est le papa de la techno, tu vois. Ça m'a donné envie de faire encore plus de musique et de me dire, ok, maintenant, ce sera moi. C'est moi qui vais déchaîner les foules. Et c'est ça l'objectif, quelque part aussi. Bonsoir tout le monde. Waouh. Ce soir on voit la clairière, je reprends le Club Azur en main parce que ça part en vrille. Valentin, je sais pas à quelle heure il arrive. Je suis sûr qu'il se cache dans l'arbre là-haut. Comme il fait l'autre con là. Transition vlog. T'as toi. Non, je t'emmerde. Laisse-moi tranquille. On a fait un pogo, je crois. Ma présence et ma prestance sur scène, je dirais que simplement, en faisant ça, je peux communiquer une fois de plus avec mon public, partager mes émotions, partager ce que je ressens. Et après, je les accompagne, tout simplement. Au fil du rythme.